pas toi à qui je vais prendre ma maladie. Ça va, Bob Audry? Faites de la musique. Chou. Ok. Ce morceau, eh ben, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais par contre, j'avais envie de le chanter ici à Bois Baudry. Pourquoi ? Parce que cette chanson raconte l'histoire d'une maison qu'on occupait à Lyon quand on était jeune et con, et que vous êtes beau, vieux et con, et que vous avez grandi, et qu'il y a encore des jeunes qui font les cons et qui vont devenir bien cons aussi, et qu'on aimerait bien les voir dans des maisons, des maisons en fait qu'on appelait des squats à l'époque. Pourquoi ? Parce que dans ces maisons, il se passait exactement ce qui se passe à Bois Baudry, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très naturel à vouloir faire vivre la culture à tous les étages, de la musique, de la peinture, du théâtre, la vie, quoi. Cette chanson s'appelle Notre Maison. Notre Maison, c'est ce soir, c'est ici. On a assez vu leur sale tête bétonner notre horizon, assez supporté leur mimique, leur réalisme économique. Alors pour construire nos rêves, on a occupé une maison, et pendant que la ville crève, on fait mijoter nos potions. On a planté notre utopie dans un petit coin du décor, et l'on se mijote une vie en gardant un œil dehors, un œil sur la rue qui passe devant la porte de chez nous, un petit sourire aux voisins, un petit bonjour. Bah c'est trois fois rien. Bonjour. Regardez-les s'agenouiller devant la Sainte Mère Croissance, qui pardonnera tous nos péchés, nous guérira de nos souffrances. Nous leur messions sans méfie, on ne fait pas partie des fidèles. On veut tout, tout de suite, et ici, et dès maintenant, on s'entraîne. Oh, on s'entraîne, allez, moi, bonne rire. Oh. Des slogans qui s'égrènent le long des murs, mais ils sont mûrs, c'est le moment de leur faire prendre de l'envergure. Alors on occupe une maison plantée au milieu du décor, ils peuvent murer notre horizon, on le démurera encore, on le démurera encore. Je crois que vous êtes prêts pour démurer. Enfin, en tout cas, je sens que vous êtes prêts pour refaire le mur, qu'on s'en aille ensemble, qu'on profite du vent, qu'on mette les voiles, qu'on se fasse un peu de plaisir, qu'on se dise que finalement, c'est pas si compliqué de partir.